Je suis en live là. Bonjour, monsieur Gobli. Quelqu'un dit que la personne a quelque chose, la personne va vous donner. On vient dire qu'on a des. C'est la première fois, ça fait plusieurs fois déjà, les gens montent des biens sur le. On t'a trop riche. Les gens pensaient que, au fait, bonsoir, bonsoir, comment ça va? Les gens croient que c'était pour parler de ma part. Non, vous êtes pressé. Vous ne voyez pas que dans cet temps, je suis occupé à autre chose. D'abord, je suis fatigué. Vous me voyez, je suis fatigué. Donc, je viens d'arriver. Je viens juste de rentrer. Je suis très fatigué. Mais laissez-moi vous dire chose. Quand je vous dis que je suis le maître du game, là, ça ne vous dit rien. Quand moi, je vous dis, je suis le maître du jeu. Ça doit vous dire quelque chose. Moi, je ne sais pas. Quand moi, je prends la caméra et puis je me mets là. Ce n'est pas pour dire aux gens. Si moi, je prends ma caméra et puis je me mets là. Ce n'est pas pour dire aux gens. Et j'ai un dossier de quelqu'un. Hein. Voici Orteil. Ok. Après, demain, là,
Je vais montrer genou là. Hein. Ben, voici orteil. Bon, oh, écoutez, hein. Bon, je vous dis que bon, c'est quand même, j'ai fait la vidéo. Plaisanterie comme ça. Yo! Je suis le maître du game. Quand il était verrou, tu devais zézé. Ça, c'est ce qu'on appelle la folie. Une dépression aiguë est une folie. Quand tu as des informations sur quelqu'un, tu viens, tu déposes et puis tu balances. Bia! La personne n'a qu'à venir démentir. Tu as des informations sur quelqu'un. Quand tu dis que, attends, je montre orteil. Attends, l'autre orteil là. Le pouce là, je n'ai pas encore montré. Bon, attends, demain, je vais montrer. C'est que tu n'as rien. Parce que vous savez très bien, j'ai tellement terrorisé et je terrorise tellement les réseaux sociaux que si quelqu'un a des informations, la personne va trembler comme ça pour venir donner. Quelqu'un a des informations, la personne va s'empresser pour venir donner ça. Donc toi, tu as information sur la terreur des réseaux sociaux. Celui qui terrorise tout le monde sur les réseaux sociaux. Toi, tu as des infos tangibles contre la personne. Et puis, tu laisses passer des jours. Et puis, tu montres un tel. Et puis tu dis, regardez, ça c'est les pieds. Bon, demain là, vous allez voir la tête. Hein. Bon, j'ai photo, hein. Ben, photo, là, on a apporté chose. Ça c'est ce qu'on vient de me raconter tout de suite. Quand j'ai mis la caméra, c'est ce qu'on m'a raconté tout de suite là. Quand j'ai pris le téléphone, on me dit que non. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis on me raconte un peu. Et je dis, mais tout aussi quand même. Vous croyez à tout ça? Vous êtes quand même, ça fait longtemps que vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc vous savez quand même ce qui peut être possible, ce qui peut pas être possible. Vous savez qu'aujourd'hui, là, quand quelqu'un a information sur quelqu'un, lui-même, il tremble comme ça. Il a envie de casser. Quelqu'un est prêt à casser papier, papou, pardon. Sur quelqu'un, là, on va pas lui demander pardon. Parce que quand tu veux qu'on te demande pardon, là, c'est que tu n'as pas envie de casser. J'ai vu même des gens dire, bon, si vous ne partagez pas et puis vous ne mettez pas cœur, là, bon, je ne montre pas. Hein. Ça, c'est hier, ça. Avant-hier, je crois. Des gens disent, bon, si vous ne mettez pas cœur, je ne montre pas, hein. C'est que tu n'as rien. On parle pas de n'importe qui, on parle de la terreur. On parle de Bob Lee, on parle de Don Giovanni le slammer. Ah, tu as des infos sur lui, et puis ça dort avec toi. Mais à la minute que tu as eu les infos là, mais tu balances. Pourquoi ça dort avec toi? Puis tu as venu, tu as dit, non ça c'est cache-nez. Hein. Ça c'est ce qu'on vient de me dire tout de suite, on dit, il paraît qu'on a parlé de cache-nez dedans. Donc, un clash où on est supposé clasher Bob Lee la terreur. Papa méchant, méchant. Un clash où on est supposé le maître Bia. Là, là, maintenant, on est en train de clasher maintenant les cache-nez. On est en train de clasher maintenant les pieds des gens. C'est quoi ça? C'est quelle comédie ça? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Ou bien, vous n'avez pas envie de clasher ou bien? Ah, bonia là. Yeri! J'ai fait votre sauce. J'ai fait ta sauce. Ma part. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il te fait pousser pénis. Tu ne connais pas pénis. Tu vois, mais tu ne connais pas. Il te fait. Il fait. Tu as avoir pénis. C'est bon, il te dit ça, non? Si tu n'as pas eu pénis, tu as commencé à porter robe à un talon. C'est bon, il te promet ça. Regarde son nom. Assassin. Tu as tué ton propre enfant. Et puis tu viens. Tu aimes tellement l'argent. Les mendiants, voilà. Vous êtes là, vous qui parlez de choses. Comment il s'appelle? Le père d'Aloa. Voilà les mendiants qui sont là devant vous. Vous parlez du père d'Aloa seul. Il n'est pas le seul mendiant. D'ailleurs, le monsieur dit qu'il vend des sacs maintenant. Hein. Mais attends. Le père d'Aloa, sérieux là. Donc, ça là, ça là, qui va payer ça là? Tu allais prendre ça où? Dans quelle poubelle? Ah, toi aussi quand même. Sois sérieux. Même si on dit que c'est dû en Côte d'Ivoire. Toi, un multimillionnaire désormais, avant tu pouvais vendre ce genre de sacs là. Mais tu peux pas vendre ça là maintenant. Jusqu'à tu es en train de construire une maison en dur. Quelqu'un qui est en train de construire une maison en dur. Ministre a réussi tout ça là. Regarde ça que tu vends. Ça, c'est quoi ça? Toi, c'est quand même. Il y a des choses quand même qui ne sont pas faisables. Quand toi-même tu regardes, tu vends ça là-haut. Quand le ministre te regarde là, il va dire quoi? Ministre qui t'a donné son argent. D'autres même qui t'ont donné terrain. Ceux même qui t'ont donné terrain, tout ça. Quand ils vont te regarder avec ce genre de sac là, au cou là. Ils vont dire quoi? Est-ce qu'eux-mêmes, ils pourront dire même à quelqu'un, regarde, lui, là, je l'ai aidé. Hein. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que normalement, toi, là, c'est les sacs comme ça, là, les Gucci, là. Voilà, les petits sacos, quoi, les Gucci, là.
C'est ça, normalement, tu dois vendre les petites trucs comme ça. C'est ça, tu dois vendre. Tu as l'argent maintenant. Quand tu viens à Abidjan, et puis tu escroques là, il faut faire un tour à la chose. À Djamé ou bien à la chose. Comment dire? À Koumassi, au grand carrefour de Koumassi là-bas, les gens vendent des choses là-bas, achètent des choses chic-chic, et puis tu mets dans le camion, et puis tu t'en vas avec pour vendre. Quand un roi 12-12 te donne, par exemple, 500 000 francs CFA, mais prends 100 000 francs, bien ça, c'est 1 000 francs dedans, et puis achète au moins les trucs là. Les sacs là, et puis tu t'en vas, tu achètes les habits, les pantalons, les trucs, et puis tu t'en vas avec pour vendre. Mais tu t'en as ramassé des trucs, je ne sais pas dans quelle poubelle. C'est dans quelle poubelle que tu as ramassé ça, mon frère? Faut dire. Vraiment, je ne sais pas, tu t'en as ramassé des trucs là. Tu t'en prends ça, chose. Oh, mais... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah, tiens, le sultan, je vais faire ta vidéo demain parce que je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Je vais faire ta vidéo demain, tiens. Voilà. Mais. La raison réelle pour laquelle je vous ai réunis, c'est que j'ai vu Moï Landjaer qui était à une émission à Pepolimic ou bien quoi. En tout cas, sur la 3, là, avec Anaconda. Tu sais, je vais te dire une chose. Monsieur Moï Landjaer, on ne connaît pas ton vrai nom. Moi, Landjaer, ce n'est pas un nom. Je ne sais pas si. Voilà. Donc, Moi, on doit t'appeler Moi, quoi. Voilà. Bon, ok. Ok. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans la vie, la l'honnêteté, là. Je sais que vous, les Libanais, à l'honnêteté, vous ne connaissez pas parce que vous êtes malhonnête. Voilà. Ça, il faut le reconnaître. Vous, les Libanais, vous êtes malhonnête. Vous avez été toujours honnête. Moi, je ne connais pas un seul Libanais qui soit malhonnête. Les métis, eux au moins, ils peuvent prendre le sang africain et être honnêtes. Mais un Libanais 100%, c'est un malhonnête. Et toi, tu en es un. Même si tu as la nationalité ivoirienne, ça ne fait pas de toi un Ivoirien 100%. Parce que vous voyez, non, il y a des nationalités qu'on prend. Moi, je suis aux États-Unis, j'ai la nationalité américaine. Je peux me confondre aux Noirs américains qui sont ici depuis des années et qui connaissent même plus l'Afrique. Je peux me confondre à eux, donc je peux dire que je suis Black African American. Et ça marche. Mais moi, je ne peux pas aller au Liban pour dire que je suis un Libanais, même si on m'a donné une nationalité libanaise. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que les Libanais sont des Arabes et ils ont leur couleur de peau. C'est vrai, tu voudrais qu'on respecte les choses. Sinon, ici, là, ici aux États-Unis, il y a les Asiatiques, il y a les Latinos, il y a les Spanish, il y a les Européens, il y a les Africains, il y a tout genre. Et parce que là, c'est-à-dire qu'on a fait des choses. Sinon, Amérique là-haut, c'est pour les Indiens, les natifs américains, on les appelle les Indiens. Pas les Indiens de l'Asie, là. Hein. Les natifs américains sont les Indiens. C'est eux, c'est pour eux. Mais désormais, l'Amérique, quand on parle de l'Amérique, on ne les voit même pas. On parle de nous, on parle des Noirs, on parle des Blancs, on parle des Spanish, on parle de, voilà, on parle de tout le monde. Voilà. Et ça passe bien parce que tu ne verras pas dans les rues. Quand tu vois un Noir dans les rues, ça ne te surprend pas parce qu'on sait que ce pays appartient aussi aux Noirs. Quand tu vois un Asiatique dans ce pays, ça ne te surprend pas parce qu'on sait qu'il y a longtemps que les Asiatiques sont là. C'est-à-dire que ce pays est pour tout le monde. Mais quand tu regardes la Côte d'Ivoire, là, est-ce que la Côte d'Ivoire arrive à un stade où on peut dire encore là que la Côte d'Ivoire est pour tout le monde? Parce que tu te plains que Mako Penguin, celui qui a la bouche pioche, tu te plains qu'il te traite de Libanais, quoi. Et donc, tu as sorti un passeport pour lui montrer, mon frère. Et tu dis que le fait que tu aies montré le passeport américain, le passeport ivoirien, ça prouve que tu es ivoirien. je vais te dire quelque chose. Moi, Ilanja, j'espère que tu vas regarder cette vidéo-là. Parce que tu regardes mes vidéos, bien sûr. Vous tous, vous regardez mes vidéos en cachet, regardez. Je vais te dire une chose. Un passeport est un document de voyage. Un document de voyage identitaire. Ça dit que quoi? Un document qui te permet de voyager, sur lequel il y a ton identité, donc ton nom, ton prénom et tout ça. Et c'est un document qui est forcément délivré par un pays. Vous comprenez, non? Mais ce document ne te donne pas forcément la nationalité. Il y a des nationaux d'un pays comme moi, par exemple, je suis américain et j'ai un certificat de nationalité. Et c'est avec ce certificat de nationalité que j'ai fait mon passeport américain. Mais en Côte d'Ivoire,
tel que nous connaissons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas comme les États-Unis. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore comme les États-Unis. Ils ne sont pas encore arrivés là-bas. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore comme la Russie. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore comme la Chine. La Côte d'Ivoire, n'importe quel pingouin peut s'établir un passeport ivoirien en Côte d'Ivoire. N'importe qui peut encore faire. En Côte d'Ivoire, nous sommes dans un état où la corruption atteint un niveau où tu peux donner 200 000 francs à quelqu'un qui va te faire un passeport ivoirien. Tu donnes 300 000 francs à quelqu'un, il va te faire un passeport de service ivoirien. Tu donnes 1 million à quelqu'un ou bien 700 000 francs à quelqu'un, il va te faire un passeport diplomatique. C'est ça la Côte d'Ivoire. Donc, tu ne peux pas montrer un passeport ivoirien et tu dis que je suis ivoirien. Non, il faut nous montrer un certificat de nationalité. Moi, j'ai un certificat de nationalité. Un certificat de naturalisation qui prouve que j'ai été naturalisé. J'ai été naturalisé tel jour, à telle heure, dans tel mois et telle année, dans tel coin, dans telle circonscription. L'état est là, tout et tout, dans tel état. Et le nom du juge même est là. Ça prouve que j'ai été naturel. C'est-à-dire que je montre ce passeport à quelqu'un, c'est bon. Mais quelqu'un est libre de dire que lui ne reconnaît pas ce passeport-là comme étant un document de naturalisation. Il va demander plus. Et s'il demande plus, je vais aller prendre mon passeport. Regarde, par exemple. Je suis parti faire le passeport de mon fils Naël. Il n'y a pas longtemps, en décembre, là, je suis parti faire le passeport de mon fils Naël. J'amène tous mes documents. Et la femme me dit, monsieur, c'est bien, je lui ai donné mon passeport, tous les documents qu'il faut, je lui ai donné même mes deux passeports. Parce que ici, nous avons deux passeports, c'est-à-dire que tu peux prendre deux passeports, le passeport en papier avec les feuilles que vous connaissez, et puis il y a un autre passeport qui ressemble à une carte d'identité. Le voici d'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà. Ça, je vais mettre ça de loin. Ça, c'est ma carte, mon driver license, c'est-à-dire que mon permis de conduire. Et ça, ici là, c'est mon passeport. Tu vois, non, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même couleur. Voilà. C'est mon passeport. Vous comprenez, non? La différence, c'est quoi? C'est que sur mon driver license, ils ont écrit New Jersey. Donc, ça veut dire que c'est pour l'État de New Jersey. Par contre, sur mon passeport, ce passeport-là, voilà, ils ont écrit dessus United States of America, passeport, car. Ça veut dire que donc, on a dit, ça appartient aux États-Unis, ce n'est pas pour New Jersey. Ça, c'est pour les États-Unis. Vous comprenez, non? Non, ça peut te dire quoi? Parce que vous aimez trop ça. 1, 2, 3, vous aimez prendre carte d'identité ivoirienne ou attestation d'identité ivoirienne pour dire que je suis ivoirien. Vous aimez prendre passeport ivoirien pour dire que je suis ivoirien. C'est vrai. Les Ivoiriens ont des passeports ivoiriens. Mais tous les détenteurs de passeports ivoiriens ne sont pas ivoiriens. Est-ce que tu comprends un peu, moi, Langeur? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tous les Ivoiriens qui veulent voyager s'établissent un passeport ivoirien. Mais tous les détenteurs de passeports ivoiriens ne sont pas forcément des Ivoiriens. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que un Libanais comme toi peut avoir un passeport ivoirien sans être ivoirien, sans avoir la nationalité ivoirienne, sans avoir été naturalisé ivoirien. Un Malien, un Burkinabé, un Ghanéen, un Français, tout le monde peut avoir un passeport ivoirien sans avoir le certificat de naturalisation ivoirienne. Par contre, quiconque qui a le certificat de naturalisation ivoirienne, peut avoir le passeport ivoirien. Doit avoir, s'il fait la demande, il a le passeport ivoirien. C'est son droit. Mais ce n'est pas tous ceux qui ont le passeport ivoirien qui sont forcément des Ivoiriens. Parce que moi, j'ai vu des gens en Tunisie, un jeune Camerounais en Tunisie, qui avait le passeport ivoirien en Tunisie, ça c'était en 2006, mais qui n'était pas pourtant ivoirien et qui n'avait même pas la nationalité ivoirienne. Qui n'avait même pas le certificat de naturalisation ivoirienne, mais il détenait un passeport ivoirien avec son nom dessus clairement. Et il faisait croire à tout le monde qu'il était ivoirien. Donc on me l'a présenté, on dit, il y a l'un de tes frères ici. Et je suis parti, c'était à Gramat. Je l'ai rencontré à Gramat. On a eu une conversation de moins de 2 minutes seulement. Et puis je lui ai dit, mon frère, tu n'es pas ivoirien. Et puis il m'a pris de côté.
Il dit, ouais, c'est vrai, je ne suis pas ivoirien, mais pardon, il ne faut pas dire à quelqu'un. Ben, il savait ce document qui tourne. Si tu dis ça, j'aurai des problèmes. Il n'est pas ivoirien. Mais il avait un passeport ivoirien. Donc moi, il a dit ailleurs. Tu as dit dans ton truc que même Makoso, on dit qu'il est. En fait, tu veux dire que tu n'es pas le seul dans le cas. Que Makoso, on dit qu'il n'est pas ivoirien, qu'il est congolais, mais il faut l'assumer. Oui. Et sur le plateau de télévision, j'ai vu des gens qui disent non, le nom Makoso, c'est vrai que c'est un nom ivoirien, mais il est de telle région, mais c'est un nom aussi qui se porte ailleurs. C'est faux. Dans son village-là, allez-y dire, montrez-moi quelqu'un d'autre qui, dans ce village-là, dans le village de Makoso, montrez-moi le nom de quelqu'un d'autre qui porte ce nom Makoso. Makoso est peut-être ivoirien, il a la nationalité ivoirienne, mais son père est d'origine, son père est originaire de quelque part ailleurs. Donc moi, il a dit, il faut l'assumer, c'est-à-dire qu'avant de parler de quelqu'un, il faut bien te renseigner, puis il faut être sûr de ce que tu veux dire avant de partir. Il a suffi que les gens te disent ceci, cela, comme tu n'es pas ivoirien. Si tu étais ivoirien, tu allais savoir que le village que Makoso indexe là, que dans ce village-là, c'est son père seul qui s'appelle Makoso là-bas. Il n'y a pas quelqu'un, un ancêtre dans ce village avant qui s'est appelé Makoso, il n'y en a pas. Le père de Makoso dans ce village-là est le seul qui s'appelle Makoso. C'est jamais vu. C'est jamais vu. Parce que un nom en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être le seul à porter ce nom. C'est-à-dire qu'avant toi, parce que nous, on donne les noms par génération. Les noms africains se donnent par génération. Donc, si on t'a donné un nom, c'est que quelqu'un portait ça avant. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver les Taïro, c'est qu'il y en a plein. Il y a eu des Taïro avant, et il y en a maintenant. Parce que les Taïro d'avant, c'est leur nom qu'on a donné aux Taïro de maintenant. C'est comme ça la coutume africaine. Vous allez les Dago. Ce ne sont pas les Dago de maintenant qui ont fabriqué le nom Dago. Avant eux, là, il y avait des Dago avant. Les Bailly, ils existaient avant. Avant maintenant. Là, et ils continuent d'exister. C'est des générations en génération. Les Makoso, Makoso, Camille Makoso, son papa est le seul Makoso dans son village. C'est comme toi, qui es le seul Ivoirien, qui a un passeport ivoirien. Ça, c'est le cas de naturalisation. Parce qu'il ne sait même pas, il n'est même pas capable de dire, moi j'ai été naturalisé en telle année. Mais quand tu dis que j'ai été naturalisé, quand toi-même tu regardes ta peau, tu sais que, on sait que tu n'es pas ivoirien d'origine. Donc quand tu dis que je suis ivoirien, prends la peine de dire en quelle année tu as été naturalisé. Et dans quelle ville tu as été naturalisé. Et sur quelle base. Soit par mariage, soit pour autre chose, mais il faut le dire. Comme ça les gens savent que oui, tu as été naturalisé. Mais tu dois connaître tes origines. J'ai été naturalisé au Ivoirien, mais tu connais tes origines. J'ai été naturalisé américain, je connais mes origines. C'est Côte d'Ivoire. On peut même passer en Côte d'Ivoire là-bas, aller jusqu'à Divo. À Divo, là-bas, on va chercher un village qui s'appelle Boudoukou. Donc, tu dois faire très attention. Pour moi, tu n'es pas encore Ivoirien. Parce qu'un passeport n'est pas un certificat de naturalisation. Pour moi, tu n'es pas encore ivoirien. Et arrête de faire ta grande gueule là. Vous êtes trop à l'aise. En fait, vous ne vous sentez pas gêné. Et c'est ça qui me gêne en fait. Vous les Libanais en Côte d'Ivoire, qui faites tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire, vous ne vous sentez pas gêné. La seule question que j'aimerais que vous posez, est-ce que vous demandez à vos parents? Parce que la plupart d'entre vous, certains même n'ont même jamais même mis le pied au Liban. Je me pose la question de savoir, est-ce que souvent il vous arrive de demander à vos mamans ou bien à votre papa? Si ce que vous faites en Côte d'Ivoire, si un Ivoirien fait ça ou a déjà fait ça au Liban, dans un quartier du Liban, dans une ville du Liban, parce que on veut savoir un peu si la liberté que vous avez en Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens ont cette même liberté au Liban, on veut savoir de la façon dont vous êtes très bien traité avec tout le respect et les honneurs qui vont avec. Est-ce que, ne serait-ce que dans l'histoire de ce monde, un seul Ivoirien a été traité comme ça? Ne serait-ce que même un Ivoirien devenir comédien là-bas. Ou bien une Ivoirienne devenir écrivaine ou je ne sais quoi. Ou alors simplement même devenir meilleur athlète là-bas et bien traité. Non, jamais. C'est pourquoi on vous dit d'avoir le profil bas quand vous êtes en Côte d'Ivoire. Parce que vous nous choquez. Parce que vous êtes tellement à l'aise. Ce qui n'est pas mauvais, ce qu'on applaudit. Ça prouve combien de fois l'Ivoirien est bon. Mais en même temps, nous disons que faites très attention parce que ne nous piétinez pas un peu trop. Parce que vous faites que nous pensons que nous disons, mais est-ce que la réciprocité existe? Quand on vous regarde, trop à l'aise en Côte d'Ivoire,
Ce qui nous plaît, on approfondit ça par moment, mais par moment, on s'arrête et puis on se demande, mais est-ce que c'est comme ça qu'on vit aussi chez eux? Est-ce que nous avons le droit de vivre comme eux vivent là chez nous? Est-ce qu'au Liban, un Ivoirien a déjà marié une fille au Liban? Est-ce qu'un Ivoirien s'est déjà baladé au Liban, ne serait-ce qu'avec une copine libanaise, aller dans un restaurant, manger quelque chose, prendre un pot et puis rentrer, prendre un café et puis rentrer? Est-ce que ça a déjà existé? Vous êtes un peu trop à l'aise. Jusqu'à vous êtes dans notre pays, vous insultez les gens. Toi, tu te permets d'insulter Makosso. Toi, tu peux insulter. Est-ce qu'un Ivoirien peut insulter un Libanais au Liban? Est-ce qu'un Ivoirien peut se permettre de manquer du respect à un Libanais au Liban? Mais attendez, vous êtes trop à l'aise. Quel que soit ce que Makosso est, Makosso peut se confondre à la nature, même si son nom est une chose originaire de Brazzaville. Mais Makosso, c'est un noir. N'importe quel noir en Côte d'Ivoire, si on ne lui demande pas les papiers, il est déjà africain. Mais toi, même avec le certificat de nationalité, toi-même, tu dois douter de ta nationalité. Je dis bien, je répète, apparemment, tu ne vas pas comprendre. Même avec ton certificat de nationalité ivoirienne, même si jamais, le jour où tu viens montrer ton certificat de nationalité ivoirienne, qui va te dire, et ce qui va nous convaincre que désormais, tu es 100% ivoirien, en fait, tu bénéficies de tous les mêmes droits, tous les droits qu'un ivoirien, mais toi-même, inconsciemment, là, ça ne nous regarde plus. Toi-même, inconsciemment et consciemment, quand tu te regardes, tu dois savoir que ce n'est pas ta place, que tu n'es pas 100% ivoirien. C'est-à-dire que nous, on te donne les papiers, on fait de toi un 100% ivoirien, et nous, on veut reconnaître ça partout que tu es 100% ivoirien, et on ne veut même pas qu'un petit de tes droits te soit arraché. Mais toi-même, maintenant, quand tu t'assois seul, quand tu regardes ton père, ta mère, quand tu regardes tes frères, tes soeurs, quand tu regardes comment vous vivez dans le quartier, dans les quartiers ivoiriens, quand vous regardez comment vous vivez dans votre famille, quand vous regardez ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe au Liban, vous-même, vous devez vous poser la question, est-ce que vraiment vous êtes ivoirien? Est-ce que vous êtes vraiment des Ivoiriens? Parce qu'un noir peut se faire passer pour un Ivoirien. Ça sera difficile de reconnaître. S'il y a plein de noirs comme ça, regroupés en Côte d'Ivoire, on ne saura pas qui est Burkinabé, on ne saura pas qui est Malien, qui est Sénégalais, qui est Béninois, qui est Nigérian. Ce sont des noirs, ils sont chez eux. Mais toi, un Libanais parmi des noirs, même si tu veux, il faut mettre Pankita avec des bijoux en or, comme les gens de notre village. Si tu veux, il faut porter même les sandales. Si tu veux faire comme tous les villageois, et puis reste parmi les Noirs, n'importe qui va venir, un Asiatique va venir, va savoir que lui qui est là-bas, qui a porté Pankita, avec la chaîne en or, il n'est pas Ivoirien. N'importe quel Libanais va venir en Côte d'Ivoire, quand il va te voir dans ce peuple-là, il va dire, mais ça c'est quelle comédie ça? Que l'un de mes frères a été pris ici comme un chef du village, il saura que tu es son frère. Et il va te dire que tu as été pris comme chef du village, ça va l'étonner. Il va dire, tiens, les gens sont gentils, hein. Jusqu'à ils ont intégré mon frère, tout ça. Alors que tu as la nationalité, que tu es né en Côte d'Ivoire, mais lui, ton propre frère libanais qui vient d'arriver hier, là, il dira que tu n'es pas ivoirien. C'est lui qui dira que tu n'es pas ivoirien, c'est pas nous. Quand il va te voir là-bas, parmi les Ivoiriens, là, avec Pankita, avec une femme noire à côté de toi, il va dire que non, lui là, il n'est pas des vôtres, il est des nôtres. En plus, tu es très malhonnête. On te pose la question de savoir. Il y a eu bagarre entre Amon Chic, Amon Vigile et Eka. Et tu as pris position clairement. Mais regarde comme tu viens mentir. Je vous ai dit que vous, les Libanais, vous êtes des menteurs. Tu viens et tu as commencé à nier ça à tel point que. Ils étaient obligés de te rappeler qu'eux-mêmes, ils ont vu le commentaire. Toi-même, tu allais répondre sous le commentaire que oui, cette fois-ci, j'ai pris parti pour Amon Chic. Quelqu'un t'a accusé d'avoir pris parti pour Amon Chic et tu voulais, certainement, mentir. Si les gens n'avaient pas vu le commentaire, tu allais dire que tu avais menti. Alors que toi-même, tu étais déjà allé écrire que, effectivement, tu as pris parti pour Amon Chic. Mais tu, là, sur place, là, tu étais en train de nier. Non, vous savez, moi, je ne sais pas, je n'ai pas pris parti. Moi, il fait mes trucs sans partir. On dit non, mais on a vu. Toi-même, tu allais répondre que quelqu'un t'a accusé. Toi-même, tu allais dire, tu dis oui, cette fois-ci, vraiment, moi-même, j'ai pris parti. Ah oui, allez. Là, tu étais confondu maintenant. Tu vois? Et c'est toi qui veux donner conseil aux gens. C'est toi qui veux parler. Tu veux jouer les moralisateurs. Toi, un menteur, un mythomane, tu peux moraliser qui?
Toi, un menteur, un mythomane, tu peux moraliser qui? Tu as fait comment pour moraliser toi? Vis-à-vis quand tu es en train de mentir, et on t'attrape, et ça ne t'a même pas gêné. Tu as dit quelque chose qui m'a frappé lorsque tu faisais ton interview. Tu as dit que toi, tu t'en fous. Effectivement, si le Libanais, moi, je n'ai jamais vu un Libanais qui a honte. Parce que les Libanais sont c'est eux qui font les plus mauvaises choses dans le monde. Et ils n'ont pas honte. Donc, si toi, tu me disais que toi, tu avais honte, j'allais dire non, mais on n'a qu'à chercher ton papa. C'est que ton papa n'est pas Libanais. Un Libanais qui a honte. Tu dis, non, moi, je m'en fous, moi, je fais ce que je veux. Je m'en fous de ce que les gens disent. Mais le Libanais, c'est comme ça, il est son nom propre. Le Libanais s'en fout, même il ment, il s'en fout. Le Libanais même couche avec sa première fille, il la dévierge et puis il la donne en mariage après. Et puis il continue de l'appeler ma fille. Il couche avec sa propre fille, il la dévierge parce qu'il dit que c'est lui qui doit. C'est ce que les gens disaient. Et puis il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ce que nous, on nous a dit. Que le Libanais peut coucher avec sa. Il est obligé de coucher avec sa propre fille pour la dévierger avant de la donner en mariage. Et il s'en fout. Ça ne lui dit rien. Et puis il continue de l'appeler ma fille. Et puis il continue de recevoir son gendre chez lui à la maison. Alors qu'il a couché avec sa propre fille. Et ça ne le dérange pas. Donc si on me dit qu'un Libanais a honte, je lui ai dit que non, chercher son papa, ce n'est pas un Libanais. Ça doit être un Asiatique. En tout cas, peut-être que même c'est un Européen. En tout cas, c'est un Occidental. En tout cas, voyez, peut-être que c'est un Brésilien, un Espagnol. En tout cas, mais ça ne peut pas être un Libanais. Parce que le Libanais n'a pas honte. Le Libanais, il vit sans regret. Il s'en fout. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il s'en fout des conséquences. Il blesse les gens, il marche sur les gens. Et puis, il s'en fout. Le plus important, c'est lui, son bonheur qui l'intéresse. C'est lui, son bonheur, qui l'intéresse. Le bonheur des autres, il s'en fout. Combien de fois il heurte les gens, il s'en fout. Ça ne lui dit rien. Je n'ai pas dit de ne pas t'amuser avec les Ivoiriens. Ça nous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir quand tu t'amuses avec les Ivoiriens. Ça prouve combien de fois les Ivoiriens sont bons par rapport à ton peuple qui est mouton, ton peuple animal, ton peuple sans cœur, ton peuple démoniaque. Eux, ils ne font pas ça. Parce que nous, on n'a aucune place au Liban. Nos filles sont jetées dans les rues. À travers des balcons. Nos filles sont jetées au 5e étage, 6e étage, 4e étage au Liban. Nos filles sont violées parce qu'elles travaillent chez vous. Mais chez vous là-bas, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez déjà vu quelqu'un. Une seule fois, les journaux ont titré que une fille libanaise a été violée par un noir. Vous avez déjà vu. Pourtant, il y a des violés en Côte d'Ivoire. Mais quand un noir viole en Côte d'Ivoire, il viole sa sœur noire. Il ne viole pas de Libanais. Mais vous, quand vous cherchez, vous employez nos filles là-bas, au Liban, vous allez chercher de quoi vous satisfaire, de quoi satisfaire vos libidos. Quand vous n'avez pas trouvé, vous venez décharger ça sur nos sœurs. Et quand vous n'êtes pas trop content, vous la prenez, vous la jetez par le balcon. Ou alors, quand votre femme vous surprend en train de pinailler nos sœurs, elle prend nos sœurs, elle la brûle avec du fer à repasser, elle la brûle avec du feu de bougie, et elle finit par la jeter au balcon et vous dites que c'est suicide. Voilà comment vous êtes mauvais. C'est pourquoi moi, quel que soit ce que vous allez faire, vous Libanais, en Côte d'Ivoire, pour moi, je n'ai jamais vous accepté dans mon cœur parce que vous êtes trop mauvais. Parce que le premier combat, si vous devez vraiment faire un combat en Côte d'Ivoire, vous qui jouez les donneurs de leçons, vous qui aimez faire les dons, que quoi quoi, si vous voulez vraiment aider votre communauté, commencez par faire des vidéos et dénoncer ce que les Noirs, ce que les Ivoiriens, ce que les Camerounais, ce que les Nigériens, en un mot, ce que les Noirs africains vivent au Liban. C'est par ça que vous devez commencer. Si vous voulez vraiment nous faire plaisir, vous voulez vraiment nous montrer que vous êtes solidaires à nous, vous voulez vraiment nous montrer que vous êtes nos frères et que vous êtes humanistes, commencez par ça. Dénoncez. Je n'ai pas dit d'aller tuer les Libanais. Je ne vous demande pas d'aller haïr les Libanais. C'est pas ce que je vous demande. Parce que les Libanais méritent de vivre. Ce sont nos frères, nos frères du monde. Mais j'ai dit de les dénoncer. De dénoncer ce qui se passe au Liban. De dénoncer ce que vivent nos frères et nos sœurs au Liban. Nous avons des frères au Liban qui ne gagnent pas du travail. Et pourtant, vous vous êtes versé dans la zone industrielle. Malgré que vous ne savez rien faire, malgré que vous ne sachiez rien faire, vous êtes versé en zone industrielle. Et vous ne faites rien. Vous vous baladez pour contrôler les Noirs qui sont dans leur propre pays. C'est-à-dire que vous, votre travail, c'est de vous lever le matin, vous allez pour crier sur les Noirs et puis on vous paye beaucoup plus que les Noirs. Et pourtant, au Libanais, ça ne va pas se passer. Parce que même le travail, le Noir ne l'a pas au Liban. Le travail, simplement, il ne l'a pas. Le seul travail qui lui est réservé, c'est le travail des bonnes. Et le travail des bonnes, c'est l'enfer. Et c'est toi qui as parlé ici. Et moi, je ne comprends pas, des gens leur donnent, à ceux-là, on leur donne la parole. Mais encore, tu vois, c'est n'importe quoi. Si tu es des plaisantins comme ça, un plaisantin comme ça, un vieillard comme ça, avec une babiche blanche, avec une touffe de cheveux sur la tête, on dirait un coq, il vient là et puis joue, fait ses grimaces là, fait ses vidéos collées là parce qu'il n'a rien à faire.
Il a fini de vendre les ustensiles de cuisine. On dit que c'est le matériel électronique qu'il vendait. Il ne parle pas de ça. Ses amis sont en zone industrielle là-bas, en Doukoua là-bas, en train de chercher du travail, en train de travailler là-bas. Lui, il est là sur les réseaux sociaux, il joue les zouaves. Et puis les gens lui donnent le micro par rapport à quoi? Pourquoi quand il vient sur le plateau, vous ne leur posez pas la question de savoir comment vivent nos sœurs au Liban? Pourquoi vous ne leur demandez pas? Pourquoi vous ne leur demandez pas quelle affaire vivent nos frères au Liban? Vous ne leur posez jamais ce genre de questions. Je vois tous les jours Hassan Aye sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire. Hassan Aye, ce n'est pas un enfant, c'est un monsieur qui a dépassé les 40 ans. Moi, l'agent, c'est pas un enfant, il a dépassé les 45 ans. Et quand ils viennent sur les plateaux, vous ne leur demandez pas quand est-ce qu'ils vont créer une ONG au lieu de jouer les donneurs de leçons en Côte d'Ivoire, au lieu de jouer les cœurs bleus en Côte d'Ivoire. À quel moment ils vont commencer à jouer les cœurs bleus aussi au Liban? À quel moment ils vont aller au Liban pour essayer de sensibiliser leurs parents là-bas? Et puis ils vont filmer, puis on va voir aussi. À quel moment ils vont commencer à sensibiliser leurs parents pour dire que ces filles noires qui travaillent chez vous là, ce sont des humains. Qui ne mérite pas maltraitance, qui ne mérite pas violence. Ce gars avec. Mais cet arabe-là vient là, et puis il se permet tout et vient là, et puis il parle directement, et puis il manque du respect à des Ivoiriens, et vous êtes là, vous regardez, il n'y a même pas quelqu'un pour lui taper la bouche, pour la saigner un peu. Il n'y a même pas quelqu'un pour saigner sa bouche. Et même, il se permet même de frapper des petits noirs. Et vous regardez, vous applaudissez, vous ne dites rien. Et ils sont là, ils font la pluie et le beau temps dans un pays comme si c'était dans un campement. Il se permet de frapper des policiers. Il se permet de frapper des taximètres. Il se permet de frapper des artistes. Et puis, ils font n'importe quoi. Non, ça veut dire que le viol de nos filles chez eux, des filles bavelées qui travaillent chez eux, ne suffit plus. Alors que papa va violer la fille, le petit garçon, le premier-né de la famille va violer la fille, le dernier-né de la famille va violer la fille, et la fille ne peut même pas parler, elle est là, elle a la maison là, et elle ne peut même pas dénoncer ça. Et nos sœurs vivent ça dans leur propre pays. Et les gens regardent, et on ne leur pose pas des questions sur ce genre de trucs, quand ils viennent. Mais quand vous les invitez, posez-leur les questions qu'il faut. Mais vous parlez de bêtises. Non, c'est quelque chose qui insulte maman ici. Non, vous demandez à Moï Langeaïeur, les cyberactivistes ivoiriens qui insultent les femmes. Mais vous savez qui sont ceux qui déshonorent les femmes en premier? Ce sont ces Libanais là que vous invitez là. C'est leur papa qui couche avec leur première fille. La première fille. Pour la dévierger avant de la donner en mariage. C'est eux. Allez-y leur dire que le respect de la femme là commence au Liban. Au Liban. Ça commence par les bornes qui travaillent chez les Libanais. Ces bonnes ne méritent pas d'être jetées par la fenêtre. Allez-y leur dire que celui qui insulte une femme, il est 10 fois mieux que celui qui jette une femme par la fenêtre. Que celui qui jette une femme par le balcon. Que leur maman, leur soeur, jette nos soeurs par la fenêtre. Que leur papa, leur frère, leurs oncles, jettent nos soeurs par la fenêtre. Voilà de quoi il faut parler. Voilà les questions qu'il faut poser à ces gens-là, ces ingrats-là. Voilà les questions qu'il faut poser à ces hypocrites-là. Que Dieu nous a merdés ici. Il est 9h39. Ok. Je vais vous laisser. En tout cas, portez-vous bien. C'est un réjoui. On va en parler encore un jour. Ciao.